Ça ou quoi? Aujourd'hui, on va discuter. On va discuter. Ça va être très important ce sujet. Donc, peut-être que tu ne te sens pas bien, peut-être que t'es mal, tout ça, tout ça. J'ai fait une vidéo motivation, j'ai fait plein de choses jusqu'à maintenant pour t'aider à aller mieux. Jelal l'a fait, et aimerait aussi. Je me perds. Jelal l'a fait, aimerait l'a fait aussi. Moi, je l'ai fait. Voilà. Maintenant, tu as beaucoup plus d'idées. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette vidéo, je vais parler de toi. Donc, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler du fait que vous devez vous respecter vous-même. Vous devez vous respecter. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Se respecter soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire se respecter soi-même? Se respecter soi-même, en fait, c'est tout simplement se respecter. C'est-à-dire que tu dois être bien. Tu dois être bien, ok? Tu dois pas être dans le mal. Tu dois pas être dans le mal. Tu veux dire que tu dois pas te faire mal. Tu dois être bien, en fait. Tu dois faire tout ce qui est bien pour toi. Ne fais pas ce qui est mauvais. Tu vois? Ne fais pas ce qui est mauvais. Et il y a plein de choses qui sont contre ça. Et il y a plein de facteurs. Mais moi, je vais te parler de comment te sentir bien physiquement. Donc, physiquement, qu'est-ce que j'entends par là? Physiquement, c'est que quand tu es avec ton corps, que quand tu regardes ton corps, que tu sois bien, que ton corps soit détendu, que tu aies de l'énergie, tout ça, tout ça. Alors, on va commencer par la première des choses, déjà des choses vraiment basiques, mais que pas beaucoup le font. Douche-toi tous les jours, brosse-toi les dents tous les jours. Alors, c'est très con, mais déjà rien que ça, si tu ne le fais pas tous les jours, tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas ton corps. On t'a donné le corps que tu as à l'heure actuelle, moi on m'a donné ce corps. Le but, c'est que je prenne soin de mon corps pour pouvoir vivre plus longtemps et faire plus de salles à l'avenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est le but, c'est ça. Je prends soin de moi. Donc, tu te brosses les dents tous les jours, tu te laves tous les jours, tu changes de vêtements tous les jours. Je ne suis pas là pour faire ta mère, tu sais ce que tu as à faire au niveau de ça. Mais déjà, ça de base, c'est une base. Si tu ne le fais pas tous les jours, c'est déjà très compliqué. Ça va être très compliqué de te sentir bien et de te respecter toi, même si déjà tu ne respectes pas ça. Maintenant, il y a le fait que tu dois aussi être en forme. Être en forme, encore une fois, dans une autre vidéo, je l'ai dit, mais ça ne veut pas dire que tu dois aller t'inscrire à la salle la plus proche de chez toi ou aller en ville pour t'inscrire à la salle. Mec, si tu n'en ressens pas le besoin d'aller à la salle, n'y va pas. Mais quand je veux te dire tiens-toi en forme, c'est va marcher dehors de temps en temps, 30 minutes, 1 heure, fais un peu des exercices à la maison. Ça peut faire déjà une sacrée différence de faire tout ça. Aller courir, ça peut faire une sacrée différence. Et juste sortir, prendre l'air un peu 15-30 minutes. Ça fait une différence sur ton bien-être. C'est dingue, mais c'est peu et c'est vrai. Mec, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup ce que ton corps te demande pour que tu sois bien. Il te demande pas beaucoup. Il te demande pas beaucoup. Il demande juste une chose, c'est que tu te respectes, que tu sois en forme pour pouvoir donner le meilleur de toi-même sur la journée. D'accord? Donc c'est. Tu dois faire attention à ça. Il faut que tu te tiennes en forme. Te tenir en forme, tu as plein de choses où tu peux faire des exercices à la maison. Si tu veux soulever des trucs, utilise des packs d'eau. Des packs d'eau, je vais pas dire autre chose parce que j'espère que maintenant tu as compris qu'il faut de l'eau à la maison. Fais des pompes, fais des abdos, essaye de trouve des trucs qui permettent de faire des exercices à la maison. Mec, tu n'es pas forcément obligé d'être suréquipé pour faire du fit pour pouvoir t'entretenir. Je vais te dire, moi franchement, je ne suis pas le mec le mieux équipé du monde, mais j'arrive à m'entretenir. Parce que je veux m'entretenir, je veux que mon corps soit bien et je veux être bien. Donc du coup, je m'entretiens avec le peu que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, fais la même chose. Et même si tu as l'opportunité d'avoir plein de machines et plein de matériel chez toi pour te permettre d'aller mieux avec ton corps et toi-même, fais-le, n'hésite pas. Fais-le, c'est que bénéfique. Ça n'a tué personne de s'entretenir. Ça n'a tué personne.
personne n'a tué personne. Maintenant, on va passer à un autre point. Un point important, là c'est un peu plus spirituel, mais ça va t'aider physiquement. C'est soit apaisé dans ta tête, soit en paix, pense positif. Encore une fois, la positivité, sois positif, médite. Et franchement, j'ai envie de te dire, lis, arrête les écrans. Arrête les écrans quelques minutes, tu vois. Arrête les écrans. Lis, commence à lire. Franchement, il n'y a rien de mieux. C'est mieux pour tes yeux, c'est mieux pour toi. T'es pas resté bloqué comme ça devant un algorithme où t'es en train de swipe up tout le temps comme ça. Non. Lis, renseigne-toi et découvre des choses. Ce que je voulais te dire aussi, c'est médite. Donc je te dis pas forcément de faire de la méditation où tu entres en phase, où tu vois des trucs et tout, mais juste méditer, c'est-à-dire que t'es du temps pour toi-même. Juste, je sais pas, tu te poses sur ton lit, ou tu te poses sur ta chaise comme moi je suis actuellement. Si tu as besoin de mettre de la musique, tu mets de la musique. Si tu as besoin d'entendre le bruit dehors, tu ouvres ta fenêtre, tu entends le bruit dehors. Si tu as besoin de quelque chose pour être comme ça, à l'aise et pour te mettre bien, tu vois, fais-le. Fais-le. Ça va n'apporter que du bien-être pour ton corps. Aussi, aie du temps pour toi. C'est bien de travailler. Mais ce qu'on néglige aussi, c'est qu'il faut avoir aussi un minimum de temps pour soi, quand même. Bien sûr. Le travail, ça, c'est ça qui fait que tu réussis dans la vie, c'est de travailler, de t'acharner. Mais si tu ne prends pas un minimum de temps pour toi, mec, ça ne sert à rien de travailler. Ça ne sert à rien. Tu comprends ce que je veux dire? Si au bout d'un moment, tu commences à travailler, je sais pas, tu es dans un bureau, tu travailles, tout, tranquille, t'as enchaîné, t'as fait 4 heures, tout. Et puis là, durant l'après-midi, tu sens, ça va pas. Tu sens que tu fais du boulot de merde. Mec, si tu sens que tu fais du boulot de merde, tu te prends une pause, qu'elle soit de 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes, 1 heure, tu prends cette pause, tu vas aux toilettes, tu vas te faire un café, tu vas boire de l'eau, tu te poses et après tu réfléchis, tu te dis putain, mais pourquoi ça va pas, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Tu te poses des questions et tu remédies. Et après tu réattaques une fois que tu seras opérationnel et une fois que tu seras bien. Tac. Ça aussi, c'est très important. Respecte-toi. Je t'en supplie, respecte-toi. On t'a donné un corps pour que tu puisses vivre dedans et pour que tu puisses faire des choses avec. Ne le tue pas. Tu n'as qu'un corps, tu n'as qu'une vie. Ne le tue pas. Prends-en soin. Si tu sais prendre soin de ton corps, le reste viendra tout seul. C'est simple. Le reste viendra tout seul. Voilà, voilà où les gars, c'était une petite vidéo courte, mais il n'y a rien de plus à dire, le reste doit venir de ta tête, c'est à toi de le faire, moi je ne peux juste que t'aiguiller, le reste tu sais ce qu'il y a de bien pour toi, tu sais ce qu'il n'y a pas bien pour toi, chaque personne est différente, voilà. Moi je vous laisse sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, un excellent week-end, une excellente matinée, une excellente journée à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.